Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message intuitif de cette journée, de ce mardi 8 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, accueillir. Eh bien, cette carte, elle vous invite à accueillir tout ce qui se passe en vous et autour de vous, n'est-ce pas? Il est important d'accepter et de vivre les émotions qui vous traversent. Les heureuses comme les douloureuses, n'est-ce pas? Mais aussi tous les moments de votre vie, positifs ou négatifs, même si ce n'est pas toujours facile, il faut les accueillir. En les accueillant, vous ne les refoulez pas, n'est-ce pas? Les refouler, ça veut dire que dans X temps, vous allez les avoir de nouveau sur la table. Il est évident que nous avons naturellement tendance, n'est-ce pas, à bloquer ou refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais une fois cette première réaction passée, accueillez cette émotion avec vraiment de la bienveillance et donnez-lui de la place. Prenez du recul afin de mieux la comprendre et de l'identifier. Et écoutez ce qu'elle a à dire sur vous-même. Vous savez, accueillir un événement, c'est vous donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point afin d'y voir beaucoup plus clair. Ça vous permettra d'éclaircir ce qui vient à vous. Et en plus, lorsqu'il y a un problème, tout problème, il y a une solution, n'est-ce pas? Et lorsqu'il n'y a pas de solution, eh bien le problème, il est dans notre tête. Quand une situation ou une émotion délicate vient à vous, fermez les yeux et soufflez un instant. Accueillez-la. Accueillez-la au plus profond de vous. Ouvrez vos bras, accueillez cette situation ou cette émotion. Et regardez ce qui se passe en vous, dans votre corps, dans votre tête. Essayez de la décrire. Ne bloquez rien, n'est-ce pas? Surtout ne la bloquez pas, cette situation ou cette émotion. Laissez tout venir à vous. Et laissez votre corps s'exprimer. Alors, ensuite, si cela vous rassure, rappelez-vous que tout n'est que passager. Invitez ces émotions à vous parler, n'est-ce pas? Accueillez-les pleinement, explorez-les, identifiez les besoins qu'elles génèrent et faites-en des alliés. Et tentez de faire avec ce qui est
et non ce qui devrait être. C'est pas facile d'accueillir une situation, une émotion. Je peux vous dire que des émotions, j'en ai cueillies et ça n'a pas été évident de les accueillir. J'ai dû apprendre à les accueillir. Et lorsqu'il y a une émotion qui vous submerge, accueillez-la. Parce que si vous la refoulez, c'est vous paniquez, presque en transe. Donc accueillez-la. Et regardez ce que votre corps dit, ce que votre tête dit. C'est important de les accueillir, de ne pas les refouler. On termine avec message lumière. Eh bien, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, eh bien, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Et je trouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Quel beau message lumière, n'est-ce pas? Et je rajouterai, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message intuitif. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.